Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans l'épisode de Fallout 4. Donc, chers amis, j'en profite pour vous montrer. Donc, j'ai augmenté donc, de façon le son des épisodes depuis quelques épisodes déjà. Certains m'ont dit qu'on n'entendait pas encore trop les dialogues des PNJ ennemis aux alentours. Bah malheureusement ils n'apparaissent pas dans les sous-titres généraux parce que les sous-titres généraux étaient déjà activés. Donc effectivement les sous-titres les personnages on les entend très très mal. Mais je pense que c'est fait exprès, je pense qu'il y a un système d'occlusion du son vis-à-vis des murs en fait simplement. Bon ça on reverra ça, n'hésitez pas encore une fois à me le dire dans les commentaires. Actuellement je fais des sessions de 3 épisodes. Je m'arrête à ça pour l'instant. Ce qui veut dire que quand vous voyez un épisode, j'en ai encore 3 d'avance à peu près. À chaque fois. Si on compte à peu près que je fais des sessions de 3 épisodes tous les 3 jours. Donc voilà pour les petites infos. J'ai rajouté des modes. Donc le mode au niveau des rochers, je ne l'avais pas mis en marche. Donc il ne fonctionnait pas. Donc maintenant c'est fait. J'ai rajouté de meilleures textures au niveau des... Des armures assistées. Donc voilà ce qui est fait. Au niveau des modes actuellement, au niveau des contenus... Il n'y a pas grand chose à part des reskins d'armes par exemple. J'aimerais bien trouver un mode au moins Full HD pour ce genre de texture, comme vous pouvez le voir, elles sont pas top top top. Ou alors au moins peut-être du Full HD ou du 4K, je sais pas, on verra bien, ou même du 2K ça suffirait. Donc on va aller voir l'armure, est-ce qu'elle semble sortie de nulle part? Ah c'est vrai qu'elle est belle maintenant. D'accord, on est en pleine tempête. Ok, c'est cool. Quand votre machin s'excite, c'est pas pour rien. Il y a des radiations dans le coin. Oui, j'ai cru comprendre. Mais on va tous crever si c'est comme... Putain, dès qu'il y a un coup de tonnerre, un coup d'éclair, ça... Blam. C'est d'une classe. Qu'est-ce qu'on a au niveau... Ah oui, là. Quelqu'un aussi m'avait dit, au niveau de Canigou. Canigou hey. Échangé. Je crois que j'avais tout récupéré. Voilà. Parfait. Donc normalement, à l'heure actuelle, je crois que le cryolateur il doit être encore là-dedans. Bah il était juste au-dessus, c'est parfait. Hop. À l'heure actuelle, je dois avoir des munitions spéciales pour le cryolateur qui étaient en fait, voilà, elles étaient placées en fait dans le Canigou. Donc de ce côté-là, c'est bon. 4, 5, 6, si je mets 7. Hop. Je l'équipe, on va faire un petit essai quand même. F5. D'accord, ça envoie une espèce de nuage. Ok, pourquoi pas. Hop. Bon, par contre là on est en train de s'en prendre plein la poire. Quelque chose. Oui, pousse-toi. Dormir. Ah. Hop. Si je peux attendre 12 heures. Hop, entre deux trucs. En espérant que je me prenne pas un coup de tonnerre justement. Ah bah non, c'est bon, ça marche bien. Ok, cool. Bon, on va voir le jour, normalement, comment la tempête sera passée. Et on pourra continuer. Donc dans les précédents épisodes, on est tombé face à des choix assez cornéliens. Il est resté là à siffler? Ah non. Ok. Donc des choix assez cornéliens au niveau de la carte. Qu'est-ce qu'on a dans le coin? Ok. Cabane de garde forestier. Mais c'est quoi, on va partir plein sud, on va sortir ici, on va partir plein sud. On va voir ce qu'on peut y trouver. J'ai bien envie de faire ça. Au niveau de la quantité de choses à porter, par contre, on est dans la merde. Ah, bla 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 bla. Voilà. Vous allez voir que c'est... Ça peut être soit très rapide, soit très très chiant. Pourtant, j'ai déjà donné les grosses armes à l'autre trou du cul. Stocker le bric-à-brac. Voilà, ça va être très très chiant. J'aurais dû en faire plus. Qu'est-ce que j'ai sur moi qui prend tant de place? Ah, peut-être le lance-missile déjà. Canigou. Que ces pillards paieront cher pour ce qu'ils ont fait. Hop. Hey. Canigou. Canigou, arrête de bouger. Ah, mais bah, il est pas comme ça, gros dégrasse. Hop. Je donne le lance-missile, le fusil de combat, le fusil de précision, le fusil de chasse, fusil de chasse. Hop. J'en ai de la merde sur moi, dis donc. Anti-animaux, ah oui, c'est vrai. On verra ça aussi.
Hop. Ah oui, il y a aussi au niveau de toutes ces armes là. Donc le hop, je donne celui-là. Faudra vraiment qu'on revoie ça au niveau de l'équipe. Habitants, d'accord. Alors il y aura un mode pour, il y a un mode pour renommer ses habitants. Je le prendrai sûrement. Je vous ai posé une question au niveau d'un mode qui permettra en fait de poster. Non, c'est bon. De poster plus de, enfin de, d'équiper plus de commandes de choses sur les armures. Enfin, pas vraiment plus. Et en fait, là pour l'instant, pour avoir une comment, un emplacement par exemple d'épaule, il faut porter certaines armures. D'autres armures prennent tous les emplacements. Je m'en rappelais pas que c'était cassé ce truc là. C'est marrant ça. Donc voilà, maintenant. Oh putain, il fait des bruits bizarres en fait, du coup ça me fait stresser. Bon alors normalement j'ai des meilleurs cailloux mais je les vois pas. Enfin je les sens pas si meilleurs que ça. Peut-être que si. Bon on verra bien. Donc plein sud. Des super mutants avec des prisonniers. Oula, mais c'est qu'ils sont nombreux en plus. Où est-ce qu'il est? Là. Ah mais je le rate en plus. Et de 1. Par contre je sais pas avec quoi il attaque, par contre je pense qu'il y a plus non plus de... Ah, aïe, elle est cassée. Oh bah putain. Vite. Heureusement qu'il est là ce truc là. Hein. Il m'a attaqué quand même avec une planche le machin. Elle m'a vu. Je laisserai pas finir ta phrase. Hop. Donc il y a des super mutants aussi proches. De cette zone, c'est d'une violence. D'accord, il y avait un campement avec du vin. Il y avait de la bibine. Pourquoi pas, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Hop, je vais juste augmenter un petit peu le son de mon, hop, de mon casque. Ok. Il a tué un cabot errant. Il est pas censé y avoir des bonhommes par là? Enfin un cadavre. Peut-être trompé, hein. J'en ai tué 3, j'ai trouvé le cadavre que de 2. Mais bon. Normalement il y a les habitants aussi, mais... Je les vois pas non plus. Bon bah tant pis. Plein sud on a dit. Accidé. Alors. Hop. Intéressant tout ça. Hop. Ok. On a même un matelas. Pourquoi pas. Donc là, on a la fameuse gare avec les... Ghoul qui aurait repop, on avait dit. Kenigou, il est où? Putain, Kenigou! C'est le principal problème de ce. De ce mode. Enfin, de ce jeu. Justement, c'est qu'il n'y ait pas de. Mais j'étais pas allé dedans. On me dira, il y avait pas grand chose.
Ah, oh, c'est saoulant pour ce cabot. Je sais pas du tout où il est. Alors, il y a une commande hein, pour se téléporter dessus, mais le problème c'est que voilà. Je préférerais trouver un bâtiment d'abord. Il y a un pont là-bas. On va y aller. Alors, ce cabot me fait vraiment chier à se barrer tout le temps. Le problème c'est que ce serait pareil avec... Ah bah le voilà. Voilà, je voulais voir. Quand tu le fais cramer... Je subis des dégâts. Capteur principal dans... Quand tu les fais cramer, ils perdent leur... leur fausse chair. Pas celui-là. Par contre, vous voyez, on peut le démembrer. Hop. Je peux en profiter, j'ai des munitions à chier pour ce truc. Wow, il y a par là. On est sûr qu'ils reviennent pas. Voilà. Bon, c'est intéressant qu'il y en ait dans le coin. C'est bon à savoir. Quel boyant. Ah oui, là. On va combattre chien. Non, 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 surtout pas. Mais j'arrive pas à le toucher. Mais j'arrive pas à le toucher. Voilà. Là, j'ai touché. Hop. On progresse. C'est pas un pont, c'est un barrage. Avec potentiellement de quoi rentrer. Non, même pas. Même pas. Bon. Et ben on progresse. Il y a un mec là-bas. Simon, c'est des gens normaux. Je pèse mon arme, F5. Kanigou, fais pas le con. Bonjour. Excusez-moi. On dirait que vous avez besoin d'un petit coup de fouet. Je me trompe? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je suis Stash, votre dealeuse ambulante préférée. Faites pas attention à mon escorte, ils font toujours trop de zèle. Stash. Stash. Comment vous avez... Mousse. Mes parents étaient Stash. Accros au jet, mais j'ai fini par m'y faire. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Jetez un œil. Montrez-moi ce que vous avez. Exactement ce qu'il vous faut. Oh. Ça parle bien. J'aime bien ça. Ok. Tiens, prends ça. Prends ça. Prends ça. Prends ça. Le jet, je le garde. C'est pour mamie. Le psycho, je le donne. Radix Hardaway, on m'a dit qu'il fallait que je les garde. X-Cell, je sais pas du tout ce que c'est, mais on m'a dit de les garder aussi. Le vin, j'en ai 3. Je les vends. La vodka, le whisky, je les vends. Normalement, j'ai vendu tout ce qui m'intéressait. Les omelettes de fongeux, je vais les vendre aussi, même si ça rapporte beaucoup. Oh, non, je les garde. Ça prend rien niveau place. Et pour le reste, j'ai tout ce qu'il faut. Hop. Merci à vous. Simon, bonjour. J'espère que vous avez des capsules. Pourquoi ici? Qu'est-ce que vous faites ici? On travaille. Faut bien gagner sa croûte, pas vrai? Le jet tombe pas du ciel. D'accord. C'est tout ce que t'avais à me dire? Okay. Pas d'ennui. Je ne veux pas d'ennui. J'espère pour vous. Stash fait vivre un paquet de gens. Ok. Et toi, t'es Lexa. Ouf, la tenue. Je surveille. Pourquoi ici? Qu'est-ce que vous faites ici? On bosse pour Stash. On la suit comme son ombre. Ouais. On va dire ça. À tout hasard. Non.
gondolée, on ne peut pas y toucher. Oh, il y a une ville. Oh, mais il y a plein de petits trucs par là. Coopérative Sunshine Tidings. D'accord. Bah écoute, on va aller faire un tour. Oui, Ganigou, excuse-moi, j'avais pas vu. Il y avait un melon. Ganigou. Oui. Quelque chose dans la maison, j'imagine. Là, il y a des chiottes avec une boîte d'épingles à cheveux. Ouh, 7, génial. T'inquiète pas, on va y faire un tour. Professeur Pénard. Freeze the robots. D'accord. Je vois à quel endroit on est. What? Il y a un vilain là-dedans. Voilà. Problème résolu. Alors, déverrouillé. Hop, parfait. Ça y est. Bonjour. Steampack, Radaway, merci. Oui, la chair de rat de cafard aussi, t'inquiète pas, je la prends. Steampack, poche de sang. Hop, oh, du Radix. Des grosses boîtes, hein. Il y avait aussi beaucoup de resizer mode. En fait, qui remettent en taille normale certains objets. Parce que certains objets sont vachement gros en fait par rapport au reste. Par exemple, les Steam Packs apparemment seraient vachement plus gros dans l'univers. Je crois qu'il allait m'attaquer bizarrement. Serait vachement plus gros en fait dans l'univers en tant qu'objet qu'une fois posé dans la main. Bon. C'est vrai que si c'est le cas, c'est pas. Oula. Ghoul sauvage, qu'est-ce que tu faisais là, ma grande? Cartouche. Par contre, ouais, on va pas te laisser sur la table. J'ai pas vu de poubelle, je suis désolé. Hop, viens par là. Ouf. Ouh, tu dois avoir mal à la tête. Hein. Vu la gueule que tu te tapes. Je te laisse là. Tu dors. Free the robots, d'accord. On a une autre porte fermée, non? Potentiellement fermée, oui. Hop, on va voir ça. D'accord. Ok, elles m'ont fait mal. Elles ont buté un habitant. Les saloperies. Il y a un gros coffre. Et B. Il y a un paquet de choses dedans. Aussi des champignons qui poussaient sur la table, mais bon. On va faire comme si c'était rien. Hop, je me pique. Ce serait cool que le jeu nous laisse un affichage au moment où on se pique du nombre de Steam Packs restants. Hop, alors un instant. Voilà, re, chers amis, donc. Hop. Je vais aller voir cette maison-là, je veux finir par la maison centrale, entre guillemets. En fait, j'ai l'impression qu'il parle de moi, en fait, à chaque fois que je tire. Ah, il y en a une pas loin, pourtant, une goule. Hein. T-shirt et pantalon. Je sais pas pourquoi je les prends. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. Le vent. Ah, les bottes qui me regardent. Intéressant. Couché.
But, but. Rien dans les trucs. Pourquoi détecter tout le temps? T'as quelque chose à me dire là, les bots? Hop. Vous avez entendu? Ah, il a dit quelque chose. Oh! Putain. C'est saoulant. Ok, très bizarre. Coucher. Hop, d'accord. Ah, il est à fond le... Oh putain, quel con. D'accord, je savais pas que cette touche-là marchait comme ça aussi. Ok, c'est cool. Mais elles sont censées être toutes mortes parce que des fois j'en entends crier et puis après j'en trouve que des mortes. Donc du coup c'est très 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 bizarre. Ouvrir. Ah. Casse-toi. Ah bah c'est bon, il l'a eu. Il est balèze mon toutou quand même. Oui, j'en entends tout le temps. Ou alors c'est peut-être le chien qui fait... Je sais pas. Un ragoût d'iguane. Ouh, c'est bon ça. Ben, les cheveux, costume bleu propre. La gamelle du chien. Bon. Regardez si on peut pas faire un petit peu de popote. Ah merde, j'ai plus de whisky. C'est pas grave. Un petit peu d'eau purifiée. Brochette d'iguane. Côte de chien. Bla. Faux filet. Filet de Darion, pardon. Rat de cafard grillé. Ouh. Un vrai cordon bleu, chers amis. Hop. Est-ce qu'il nous faut passer à une certaine quantité d'XP en plus? Hop. On va rentrer dans le dernier. D'accord. Kenigo a trouvé quelque chose. Je te suis. Bah, Simi, il y a quelque chose dedans, mais je l'ai pas encore visité. Tu parles, j'y allais. Ah, il est complètement pété ce. Ce bonhomme. Hop. 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 S'en approche. Clues, indice, c'était pas clues. D'accord. Spoke, c'était pas spoke. Third, c'était pas third. Alors, on va y arriver. Carry, c'était pas carry. Mm-hmm. Raised. Génial. C'était raised. Parfait. Commande de Mr. Andy. Choisir les protocoles. Être soi-même. Être soi-même. Émission de protocole, être soi-même. D'accord, traitement en cours. Hop. Mais il est complètement drogué ce machin. Où est-ce qu'il est? Un robot drogué, c'est incroyable. Yo! La vache, le fils. Je te cause? Balle, fils, le fond. La vache, fils. Ah non, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Journal. Un esclave pour notre coopérateur, il connaît Mr. Andy sorti de je ne sais pas trop où. Cet tas de ferraille a failli nous mettre dans la merde que t'as essayé de retourner dans l'ancien propriétaire.
Alors Johnny l'a bricolé, il a réglé son protocole sur, de motivation sur être soi-même. Maintenant on l'appelle professeur Pénard, il mène sa petite vie pépère sans avoir de compte à rendre à personne. Mais il faut faire gaffe à ses autres protocoles. Ces bonnes personnes peuvent faire du grabuge ou si elles pètent un câble. Jack. Choisir les protocoles. Retour au protocole pour protocole de maintenance. Donc là il va rentrer chez lui. Robotique grand public Esther. D'accord. Parfait. Et il rentre. Hein. Parfait. Ça on pourra l'y rejoindre à un moment ou à un autre. Hop, on se pique. J'avais rien dans la main, il me semble ainsi. J'avais quelque chose. J'ai pas trop fait attention, je l'avoue. On a une cabane. Qu'est-ce que... Ok, j'en doutais un petit peu. Ok. Madame. Elle a été réduite en tas de cendres, non, littéralement. Je vais arrêter de prendre toute la merde qu'ils ont sur eux, parce que sinon... D'ailleurs, au passage, je vais arrêter de prendre toute la merde qu'ils ont sur eux, mais... Non seulement je le dis, mais je vais le faire. Chemise écossaise en jean. Et jean. Hop. Ok. Donc là, j'ai une espèce d'église. Ça va atteindre le niveau 15. Cool. Hop. Niveau 17. Niveau 18. Niveau 21. Module d'armes de rang 2, ça pourrait être intéressant. Plus de munitions encore, pourquoi pas. D'accord. Niveau 23, niveau 17. Niveau 20, bah écoutez, on va mettre Fana d'armes rang 2. Hop. Et on va aller voir cette chapelle solitaire, comme il l'appelle si bien. Ok. Bonjour mon révérend. Ah non, il y a eu la guerre là-dedans. Eh ben, il y avait des choses là-dedans. Je vous interdis de vous réveiller, les gars. Les gars et les filles. Faut se marier, je prends. Ouais, pourquoi pas. Mais il n'y avait rien à y faire en fait. Juste de la fausse morie un peu partout. Une bramine sauvage. C'est intéressant. Bonjour. Je vais pas les tuer, hein, c'est que des vaches. Tu viens ? Hop. Hmm.
Ça doit pas être des gentils. Alors, où sont-ils? C'est quoi? C'était un pillard, vous êtes sûr? Voilà. Allez, reviens, reviens. Il est lourdement armé celui-là. Hop. What? Dégage, Cabo. Cabo. Hop, un petit soin. Je voulais pas te faire ça, Cabo. Armure de chien. Muselière à pointe. On va prendre tout ça pour notre toutou. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Kanigou. Hey. Tiens. Comment ça on est en plein combat? C'est faux. C'est faux ce que tu dis là. Kanigou ne peut rien te reporter de plus. T'es sérieux Kanigou là? Tu foutrais pas un peu de ma gueule? Kanigou, tu fais chier. Hop. Jeté. Hop. Ah, j'aurais dû. Hop. Hop. Allez. Entraînement. On va se les faire. Grosse erreur, en tout cas. Ah bon? Grosse erreur. Bah je l'ai eu au final. Casque de pilote jaune. Intéressant ça. Oh des cartouches. Casque de pilote jaune aussi. Je les voyais vert moi, c'est marrant. Pile à fission. T'as dit quoi? La fille de l'air. Tu te crois pas l'aise? Eh bien, attends. Je me disais que j'aurais pas dû l'attaquer. Hop. Hop, on va se rentrer comme ça ils vont venir. Machine à écrire. Kanigou. C'est pas chier.
Ça doit être un revolver de fortune, je présume. Ça aurait été un vrai, je l'aurais pris. Mais tu vas crever, oui. Non. Qu'est-ce que t'as fait à mon chien? Qu'est-ce que t'as fait à mon chien? Oh, je t'ai raté. Qu'est-ce que tu fais à mon chien? Mon chien! Vous savez quoi? On va prendre de la bouffe. Voilà. Et on va virer une tenue à la con ou une arme à la con qu'on a. Tiens, ça! Hop, dehors! Fusil de chasse tactique, non mais lol. Et deux planches là. Kenigou, j'arrive. Tiens, prends ton Steam Pack. T'es où, sac à merde? C'est tout ce que t'as dans le froc. Attends, tu dis quoi là? Mais il est où ce con? Ah, il est à l'intérieur de la caravane. Du bâtiment, pardon. Voilà, problème résolu. Bon! Terminal de la réception. Pourquoi pas? Commande des tourelles. Désactivée. Au cas où qu'il y en ait d'autres. Calmos. Ok, bon. Réserve fédérale de rations. Le problème, c'est que je suis full. Faudrait que je revienne là quand je serai moins. Écoutez, je vais emporter ce que je peux. Pas prendre le gros pneu, dommage. Ouais, ouais, ouais. Et on va se rentrer à Sanctuary. On a fait combien? Juste pour voir, on a fait quoi sur la map? Ah, quand même. On a fait peut-être un tiers ou un... Ouais, un tiers de la map. On va se rentrer à Sanctuary, on va ranger tout ça. Et une fois qu'on les aura rangés, on va aller voir sur la... Déjà la grosse armure, on va voir essayer de la poser sur l'armure restante, l'armure qui nous reste. Je crois qu'on en a déjà mis dessus, mais c'est pas grave. Quoique, j'ai un doute. On va bien voir. Hop, on va aller voir Fanad Arme 2 aussi ensemble. Hop, équipement. Ah oui, non, c'est moche. Non, ça c'est mort. Réacteur à fusion, d'accord, c'est celui qui est déjà utilisé. Ça va nous ralentir. Hop. D'accord, il y a une animation quand il le met. Ok, c'est bon à savoir. T51, bras droit, bras gauche, casque, plastron. On peut voir la différence entre les deux. Niveau du casque. Hein. Voilà. Transfert. Voilà. De ce côté-là, on est bon. Maintenant, j'ai envie d'aller me voir au niveau de ça. Tout stocké. Hop. Attends, on va aller voir les armes. Ça, je vire. Taux de combat. Qu'est-ce qu'on avait vu comme amélioration? Lame furtive. Ah oui, exact. Ça nous fera la capacité forgeron. Non. Annulé. Modifié. Hop, je pourrais mettre une crosse longue. Qu'est-ce qu'on va faire? Et au niveau de la bouche, je pourrais mettre un frein de bouche. Ou un autre frein de bouche. C'est naze. Naze. Ken le mafioso.
D'accord. Sniper en devenir. Il est légèrement plus léger. Oh la vache. Je peux changer l'armement en calibre 50. Putain. Il faut le rare en 3. Oh la vache. Et j'ai rien qui remet au même niveau du coup. Ouh, ça peut être beau aussi ça. Eh ben il est beau mon fusil. Ah, c'est rang 3. Ah, c'est rang 3. Je sais que je ne suis pas le seul à avoir perdu quelqu'un, mais... il me manque tellement. Dommage. Bon, c'est pas plus mal. Il est devenu plus intéressant. Ça, je peux le virer. Le pistogel. Ah, je peux rajouter un silencieux sur le pistolet gel maintenant. C'est bon à savoir. Fusil pulsor, pistolet laser. J'avais pas mis de pistolet à l'institut. Institut pistolet, d'accord. Ok. Applicateur dent de bêta, pourquoi pas. Canon court, canon long, canon court amélioré, canon long automatique. Non, j'en veux pas. Bouche. D'accord, bon, de ce côté-là. Alors, maintenant, on peut modifier un petit truc. Devenu sniper. Parce que faut reconnaître que maintenant il a plus la gueule d'un sniper qu'avant. Ce qui est assez cool, je le reconnais. Quel est le mafioso, je peux pas trop l'améliorer. Si au niveau de la crosse, je peux pas l'améliorer. Crosse à compensateur de recul. Exactement la même. Grand tambour et éjection rapide. Moi. je vais rien dire là-dessus. Je vais pas répliquer. Hop. Ok, bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Kenigou. Hop, hey. Là. Ça permet de voir entre guillemets ce que je fais en entre deux épisodes. Je vais tout prendre. Hop. Fabriquer. Ok, le criolateur, le Fatman. On va le remodifier, on va l'appeler. Oh merde. On va l'appeler le. Le Fapman, voilà. Fusil de combat, ça pourrait peut-être être intéressant de le... Carabine de combat. Alors, carabine de combat et... Fusil de combat, mais c'est la même arme. Cunasse, canon, crosse, chargeur. Celui-là, je peux le virer. C'est quoi cette arme? Le canon est plus long que la crosse. C'est moche. Excusez-moi, je préférerais être seul pour le moment. Hop, le lance-missile, qu'est-ce qu'on peut améliorer dessus? Canon standard, triple canon. Ouh, quadruple canon, ouh. Sans bouche, baïonnette, stabilisateur, d'accord. Intéressant tout ça. Viseur, ordinateur de visée, d'accord, carrément. Oh, c'est intéressant, fusil de combat. Alors. Juste pour voir. Fusil de combat, culasse standard. Si je prends. D'accord. Canon court, culasse standard. Canon long. Juste pour voir si je repasse un canon court dessus. J'ai les trous dans le canon. Et ici. Non, d'accord. Donc c'est pas du tout la même arme en fait. C'est la même culasse. Mais c'est pas du tout la même arme. Là on a une carabine. Et au-dessus on a un fusil.
Voyons voir. D'accord, donc ça c'est différentes culasses. Canon long. Crosse complète, crosse de tireur de lutte, crosse à compensateur. Général. Différents chargeurs, viseur, bouche. Hop, ok. Ouais, au final, il m'intéresse pas plus que ça. Hein. Et à tout hasard, la carabine. C'est marrant, c'est exactement la même arme, mais... Je suis moins fan de cette... Il y a un drôle de bruit. Non ? Oh, j'avais l'impression. Oh, du scotch. Cool. Transfert. Alors, on va mettre toutes les armes. Enfin, toutes celles qui nous intéressent pas, en tout cas. Fusil de combat, carabine de combat. Ça, je vais les donner. Ah oui, c'est vraiment un casque de pilote. Hein. Muselière à pointe. Non, pas de muselière. Attends. Treillis. Par contre, l'armure de chien, peut-être qu'on peut lui mettre. Attention. Hop. Baille pas. Mais à chaque fois que je te donne un truc, tu veux bailler. Mais t'es un feignant. Tiens, prends-toi une armure. Il y a un bandana vert d'artilleur. Tu veux pas l'équiper ? Attention. D'accord, faut lui demander de l'équiper. Bah t'es beau comme ça. Ici. Parce que je suis pratiquement certain d'avoir mis des armures là-dedans, mais c'est pas grave. Prudence. Hop, je te donne les armes moisies que j'ai. Enfin les armes moisies, tout est relatif. Quel est mafioso? J'ai 306 balles, mais à 50 par chargeur, ça va très très vite. Je vais le garder. Ça, je te le donne. Roulette laser, je te le donne. Mitraillette anti-armement. Ouais, anti-animaux, pardon, je te le donne. Pistolet incendiaire. Oh. J'ai déjà une arme incendiaire. Ok. De ce côté-là, on est bon. Ah oui, on va aller planter des choses, chers amis. Bonjour. Oh, la mamie, elle a vraiment... Je vous avais dit que Sanctuary deviendrait prospère. La vision ne ment jamais. Bon. Hop. Planter des choses, des ressources, nourriture. Ah, c'est ça. Ah, ça ressemble à ça, le blé, carrément. Ça ressemble vraiment à du blé, en fait. Hop. C'est le potager. Hop. Oh putain, c'est casse-couille. Ils ont vraiment chié sur leur édité alors qu'ils l'ont vendu comme une des plus grosses features du jeu. Hop, bon, on va mettre ça comme ça. Qui apportera encore plus de bouffe, ce qui est cool. Bon. Alors combien qu'on a de place sur nous? Parce que là ça commence à me... 160, mais où est-ce que... C'est notre armure qui pèse aussi lourd. Je vais aller à la bouffe. On va voir si on peut pas en faire un petit peu. On a buté quelques chiens. Ah, côte de chien. Voilà. Omelette d'œuf de fangeux. Pourquoi pas. De l'amidon végétal. Bim.
Hop. Bon, ça, c'est fait. Niveau emplacement sur nous. 158. Putain, mais... 13. 20. 24. 30. 42. 42, 42, 42, 55. 57. 64. Ah la vache, oui, c'est ça. Hein. Ça monte juste atrocement vite en fait. C'est juste ça. Ok, bon. Et ben on va aller vendre du. Des choses. Du bordel. Il me semble que c'est ici. Mince, c'est pas la bonne touche. Le Drumlin Diner. Hop. Ouh, ça doit faire mal ça. Alors. Bonjour madame. Ah. Ah oui. J'ai déjà payé. Oh, t'as une sale gueule quand tu veux. Un de ces quatre, j'ai posé une grenade dans tes poches. Le magasin est ouvert. Qu'est-ce que ce sera? Okay. Voyons ce que vous avez. Vous en aurez pour votre. Oui, j'en doute pas. Alors. Juste pour voir. D'accord. Brochette d'iguane, brochette d'écureuil. Du crâne. Tous les trucs qui sont en pot, je vais les donner. Hop. Mes mantas aussi d'ailleurs. Oh, j'ai 17 Coca-Cola Quantum. Je vais en donner de 7. Hop. Enfin, 17 Coca-Cola normaux, pardon. Hop. Voilà. Pâté pour chien, je la garde juste pour le principe. Hop. Déjà ça, est-ce que j'ai gagné de l'espace un petit peu? Oh, pas des masses. Hein. Bref. J'ai vraiment envie de te buter. Carla. Ah, la crapule. J'ai déjà payé. Bon. Bon bah écoutez chers amis, on va aller fouiller dans le prochain épisode les rations là, machin, rations fédérales. Donc moi je m'y téléporte maintenant. Hop. Comme ça s'il y a de l'action, vous la verrez en fin de cet épisode. Encore une fois, merci à vous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Vous pouvez aussi y retrouver, comme vous pouvez retrouver dans le descriptif de l'épisode, un lien vers mon partenaire gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert Fallout 4, Mad Max et Battlefront. Encore une fois, merci à eux et merci à vous d'être fidèles à la chaîne. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour notre aventure. Salut les gens. Et yop.